Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'autre édition de Allen TV On The Air. Ici, Patrick Ediansi. En nous faisant un petit coup sur sa actualité en pays d'Haïti, avec la communauté haïtienne de l'extérieur, c'est un décapable, la diaspora. En Haïti, la crise politique-là a toujours été en face. Il y a des initiatives qui apprennent, il y a des rencontres qui ont fait un peu partout dans la perspective pour qu'on ait que comment le bagage va passer le 7 février, Kabina. Jeudi, il y a gagné tiré Sénat en la personne de Joseph Lambert. Il a rencontré CSPJ, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, pour connaître qui position pour adopter la date 7 février 2022. De l'autre côté, il y a tous les signataires de rencontre qui étaient faites du sommet de la Louisiane, qui a rencontré le Premier ministre Ariel Henry, et a essayé de regarder comment il y a une possibilité pour un petit peu harmoniser différents accords qui existaient. On a rappelé que le sommet de Louisiane était proposé, M. Fritz Alphonse Jean, comme président provisoire, avec l'autre dame, mais nous connaissons que l'accord Montana a élu M. Fritz Alphonse Jean comme président provisoire et Steven Benoît comme premier ministre. Donc, c'est dans un bouclier politique ça, que le pays d'Haïti trouvé à quelques jours du 7 février, qui sont dates historiques, dates qui rappelaient le départ de Jean-Claude Duvalier pour l'exil. Et en pile monde dans le pays, je crois que c'était un départ pour apporter un pile changement au niveau de la démocratie, droit monde, développement économique, épanouissement social. Mais malheureusement, après la période, ça n'a pas vraiment réalisé grand-chose en termes de bilan. Après le départ de Jean-Claude Duvalier, Duvalier retourne dans le pays, il est mort, mais changement qui était annoncé avant le départ, il est jusqu'à présent pas capable de concrétiser. Entre-temps, au moins 6 personnes ont mouru, 1585 personnes ont déplacé. C'est un bilan provisoire qui a enregistré une inondation, gros la pluie qui est tombée dans le nord du pays, d'après l'information qui est sortie dans la direction protection civile et qui est gérée par département, alors, par délégué département et NOAA, M. Pirou de Gaulle-Augustin, qui a confirmé l'information. Ça y est, il y a un pile des marchés à faire pour assister les gens qui déplacent. Il y a un pile des marchés qui a fait pour capable permettre que l'assainissement fait dans une zone qui inondée. Donc, on a rappelé que la pluie était tombée le dimanche avec lundi passé. Plusieurs régions dans le nord ont été inondées, un peu de monde était sans abri, en situation qui vient de mettre à 16 sous clos, après que le nord ait gagné un gros et catastrophe qui a été frappée dans le finissement Anéa, côté que un tanker gasoline a été explosé. Donc, il y a plusieurs dizaines de monde qui étaient blessés très graves, et puis environ 90 autres mourus calcinés. En nous font un petit coup de pied sur la diaspora, en nous font un chita sur notre reportage spécial sur ce qui est passé dans Chandler, dans Arizona, côté que National Haitian American Elected Officials Network, NEON, a organisé une retraite pour thème, en nous rassembler pour nous avancer ensemble. Et là, justement, il y a l'autre partie dans le reportage spécial. Donc, justement, il y a M. Alex Désilmé, qui était chairman organisation ça, qui lui-même a passé Mayette là à Charnette Frédéric, qui a élu par ses pairs, monde qui est élu bien avec Lio, avec différents avocats qui étaient là, des comités qui étaient présents. Donc, ils ont élu Mme Charnette Frédéric comme nouveau chef woman dans Nyon. En entendant les propos d'introduction de Alex Désilmé. The last 2 years has been amazing 2 years. As a people, as an organization, we were faced with a pandemic and we did what we did, what we had to do. As soon as I became chair in January of 2010, of 2020, we were hit with the pandemic, the coronavirus, and we all went virtual. We learned how to meet up and did what we needed to do online. I am so proud of all of my members, all of 143 elected officials, current and former, with the man. But
They serve their community well, and they make all of us proud. We are in 18 states, in addition to the District of Columbia. I see the Attorney General here doing his thing. We have 75 current elected officials, and we just added one more into our roster. Yes, Sheila Sharpe is McCormick. And we have 48 former elected officials that were in 20 judicial members, and we just added one more to the roster from the great state of New York, Cassandra Johnson. Again, it's indeed a pleasure and an honor for me to welcome you all to the 13th Annual National Haitian American Elected Officials Network Annual Dinner Gala, known as NEON. Thank you and welcome. Voilà, c'était les propos d'introduction de Alix Désulmé, qui était joué rôle de chairman dans NEON, qui passait maître là, à Madame Charnette Frédéric, qui est un conseiller qui est d'une New Jersey, et c'est lui-même qui a une responsabilité pour diriger l'organisation ça, qui est regroupé un ensemble d'élus haïtiens américains et l'autre monde qui était élu, qui fait un gros network et qui a travaillé au niveau local, au niveau fédéral tout, pour être capable de continuer, permettre que eh bien haïtiens aient une meilleure posture politique ici aux États-Unis. Justement, nous avons parlé avec chère woman, c'est Mme Charnette Frédéric, qui est nommée par ses pairs pour diriger l'organisation ça. Il y a un résultat qui est sorti dans l'élection, je dis, c'est que nous avons un nouveau chef. C'est un monde qui remplace, on est qui très haut, mais qui est de petite taille. Comment est-ce? Moi, je salue tout le monde qui a attendu à la TV, qui a regardé nous là. C'est un plaisir pour ma mère. Merci encore pour nous opportunité ça, pour nous dire comment on travaille en tant que National Haitian American Elected Official Network. Et bien, c'est avec un plaisir pour tout le monde qui ne connaît nous, c'est Charnette Frédéric. Moi, c'est Councilwoman at Large dans la ville Irvington, New Jersey. Et bien, mes amis, moi, pour aller, c'est moi-même qui va, qui c'est Chairwoman of NEON. Et bien, c'est avec un plaisir, mes amis, pour me représenter. Organisation gros tonton ça même a besoin d'aide nous tout pour nous faire travailler dans le marché pipi. C'est ça. Qui est ta priorité qu'on gagne? Beaucoup les gens, première ça nous besoin contrôler c'est engagement tout membre NEON. Pour monde qui pas connaît nous gagne passé 53 membres et si nous chaque prêt pour nous travailler mes amis n'a font gros différence. Une bagarre moi tellement fier avec NEON, nous gagne tellement en pile monde qui gagne pile connaissance, c'est mettre en application. Attends ma parole avec nous aujourd'hui mes amis. Aujourd'hui c'était un jour où que nous toutes mettons tête ensemble, nous t'a parlé en pile de police, n'a parlé en pile de qui ça à côté nous ouais tête nous, n'a parlé comment nous parle ouais 2022. Et bien grand pile parole qui va venir. Spécialement moi dis merci avec juge Yonel Jean-Baptiste qui travaille très très fort en tant que un membre dans NEON. Et bien travail ça nous parle ouais beaucoup plus d'avantages qui s'ennuie. Mais premier ça nous parle faire engagement chaque membre nous pour commencer faire action. C'est ça. Parlant de 2022, il y a un pile haïtien qui ont été gens déçus par l'administration démocrate là. Gens qui ont traité la question Haïti, gens qui ont traité les réfugiés haïtiens. Il y a des gens qui pensaient que faut que tu as le parti démocrate là, on va le Québec dans 2022. Il y a une chose que je dis toujours, que vous démocratique, que vous républicain, en pile bagaille, en tant que noir, bagaille vraiment difficile pour nous. Et nous te voyons ça déjà sur l'administration républicaine qui était avant l'administration Biden. Non. Moi, je connais que bagaille est vraiment difficile. 2021, mes amis, nous sentons dignité, nous sentons respect, nous pas là. Nous continuons à aider ceux à frère nous, qui sont dans le border. Nous continuons à aider qui est nous. Parce que pas oublier, nous pas pour continuer. Nous avons des bananes yo, en tant que nous-mêmes, en tant qu'élus. Ça veut dire, mes amis, on nous commence le travail. Nous ne contrôlons pas les corps démocrates. Républicains, on nous continue de travailler parce que et réponse là, il n'y a pas nos partis, réponse c'est nous-mêmes. Nous obligeons de faire façon pour connaître qui est nous parce que nous représentons, parce que millions de monde qui sont aux États-Unis, ça veut dire avec force que nous gagnons. Washington a contrôlé, Washington connaît nous exister, on nous continue de travailler ensemble.
en tant que chair mamni en tant que mamni en tant que on élu moi prêt pour m'tendre moi prêt pour nous travailler ensemble en pile ça nous capable faire nous qu'on a fait ça que les six ceci dit nous qu'on sacrer les à faire en pile comment nous capable éduquer de Haïti de Boïcite nous gagne place Boïcite coulien nous qui tout passé 19 ministres état que qui pas capable aider nous même qui en Haïti pour nous coordonner. En pile monde toujours a dit oh diaspora besoin contrôle Haïti. C'est pas un contrôle, c'est un système de façon comment nous ca avancer en tant qu'un pays, en tant qu'un peuple pour nous ca beaucoup plus fier. Mais espérons nous quitter ego nous de côté pour nous voir qui ça nous capable faire, comment nous capable travailler pour nous avancer ensemble. Mais espérons je me fais dire, réponse en pas dans main, ni ou même ni moi même c'est nous tous qui pour mettre ensemble. Jean devise nous en nous dit nous l'union fait la force. And on behalf of the executive board, Victoria, myself, and Vanessa, and now we pass on the big thing for you. This is take it and use it wisely. Voilà, donc c'était passation des responsabilités entre Alex Desulmé, qui était chairman au niveau de Nyon, et remplacé par Mme Charnette Frédéric, qui s'est élue dans New Jersey. C'est les mêmes qui pourraient gagner justement cette guémarie là pour mener les destinées de Nyon. La propose, nous retournons, nous pourrons faire un petit recap avec Alex Desulmé, justement, qui est ancien chairman maintenant, lié avec nous dans les studios de Valentine. Voilà, bon retour, nous avons une spéciale édition que nous n'avons pas détaillé pour, nous n'avons pas rapporté pour, ça qui est passé dans Chandler, dans Arizona, côté que Nyon a organisé donc retraite annuelle et terminant Anissa, c'est Moving Forward Together. Et pas que l'autre monde qui va parler non plus de thème ça que Alex Desulmé qui c'est chemin sortant de l'organisation ça qui est avec nous dans le studio de Allen TV. Bonsoir Alex. Bonsoir Patrick et merci encore pour un plaisir de te voir dans la cour Arizona qui est côté qui haïtien débarqué nous fait compte belle bagaille nous a dit. So réellement on apprécie tout média yo tout monde dans diaspora qui fait déplacement dans différents états pour te venir en janvier, venir mettre l'agenda communautaire pour nous connaître ça l'a fait pour 2022. C'est ça. En nous disant un petit mot sur l'agenda communautaire, sur qui ça le chita, sur ça le grand pays. Il y a deux, trois petits sujets qui ont commencé à débarquer dans l'Arizona. Nous changeons le format là, ni ça. Nous faisons le premier format là, côté que nous avons membres de la communauté ensemble avec Elio dans le commencement. Conférence là dans jour dans retraite là même jour samedi là dans vendredi nous te font welcome reception côté magistrat vinn ballon proclamation you know just to welcome us comme moun ka comme host city là dans samedi là comme mardi samedi matin nous te font belle rally qui côté nous qu'un différent en sujet de census de ça cap fait ça cap qui impact qui immigration bagaille qui réellement affecté nous ensemble comme une communauté. Après ça, pour nous-mêmes faire business, nous, comme Nyon Members, pour nous discuter de trois autres sujets sur l'immigration, qui je nous voulons débarquer, l'immigration, qui je nous voulons parler avec nouveau administration, ça, en Biden. Non? Et l'autre bagaille encore, nous, dans différents états, nous mettons ensemble pour nous débattre et puis tout nous faire élection. Pour l'organisation. Justement, nous sommes présentés Charnette, nous sommes présentés Charnette là, qui est remplacée où? C'est ça. Donc, c'est un petit bout de femme. Oui. C'est remplacé, on a qui met longueur. Mais il y a un pile Charnette là, dans la Kaili, côté lié là. Ce sont des gens qui respectent depuis 2012, lié élu, li Nanian, qui li Kounia là, l'été vice chair pour deux ans, qu'on est là même là, il est avancé comme chair. Et moving forward together, ça veut dire? Pile bagay. Nous même slogan, nous même Nyon, c'est moving forward, stronger together. Mais Anissa, les motés choisi Christine Ellis comme chairwoman pour retraite là, les dit, nous prenons un petit cal dans le slogan, nous avons gagné, nous mettons peut-être tout sacrifice, tout ça, nous passer, et nous connaissons une frontière. Arizona qui pour juste journée jeudi à nous gain combien migrants qui a entré il dit I think it's very appropriate since we can move ensemble
ensemble, tête ensemble. Jean Bagaille, là, nous connaissons toujours une petite division, même entre nous-mêmes comme Eli, mais nous ensemble. Alors, on dit que Christine Ellis, c'est pratiquement doyenne, communauté haïtienne dans Chandler, c'est un élu dans CITIA, justement, dans la première partie de reportage. Nous avons parlé avec lui pour nous introduire la zone en Chandler. Maintenant, question que moi j'ai débattu avec un peu le monde, est-ce que au niveau de l'organisation, nous entendons sur un agenda qui peut permettre que non seulement 2022 a nous est plus clair, genre administration a dit avec qui soit ici en particulier, et si oui, sur qui ça vient? Oui, depuis sous affaire mauvais temps, nous avons dit pays nous a passé, ni en son organisation qui a plus réellement dit nous, nous apprécie de ça, nous toujours fait tout ça n'a fait ensemble. Que même si que nous bail différents élus, on se dit, on t'y porte ouvri, mais tout le monde est lui, il y a grand monde, il fait ça, il ouvre dans différents états, dans différents states, dans différents states, dans différentes cities, il doit dire ça, il dit, mais là, nous-mêmes prenons une décision, quitte l'immigration, l'assassination du président, mauvais temps que ça passe, nous, toute l'arrêté de ça, organisation, on dit, nous devons mettre step, mais pas nous dehors tout, mais nous-mêmes, si tellement nous avons bagaille des affaires pour nous parler comme un groupe élu ensemble, nous aujourd'hui n'a prêté des organisations et nous même nous que d'affaire l'autre statement nous mais sous affaire immigration nous gain 2022 à la parle venir midterm là la parle venir parle so critical pour nous comme en communauté nous gain toute décision ça nous gain build back better comme $1 billion qui va battre ça c'est une non panel que nous qui était sous pied de ça. Et nous avons un groupe New York, Powerhouse, Hospital, qui m'a fait une présentation, ça m'avait encore. Différents groupes dans la diaspora ont venu avec différentes idées. Et en pile, tout est bail, différents représentants dans la state, pour qu'ils viennent avec lui comme résolution. So, dans quelques semaines qui viennent là, nous avons une résolution comme même qui nous prend pour nous former l'agenda communauté en pile. Alex, je me avec quelques élus dans New York. De quelque chose parler et nous poser problème comment que haïtiens frustrés par l'administration démocrate là traiter question et Del Rio a côté que ils continuent à déporter monde en Haïti malgré une situation infernale dans le pays a mais en plus de ça gens que Washington a géré question politique pays d'Haïti a oui et son bagage tout nous même boy ici à nous fâcher. Et au cas où elle tout le regarde dans bouclette sous Kit Biden président avec Kamala Harris bon les tu vois nous adresser communauté à la page ni en non mais où est que ça y ce monde depuis quel ou bon administration côté que nous bataille pour administration ça entrer nous ouais que traitement et bon traitement qui nous satisfait et nous montrer et même invité nous pas de voyer nous pas invité dans activité que t'as fait là yo mandé nous dit nous pas de problème des lettres là même vidéo pour nous pas de pour pièce en rien because lettre qui ont attaqué et ça premier bagage mi à love dit qui moi réellement apprécié ça l'ont attaqué you nous attaqué toutes so nous parle et son autre format et il était fait bon on dit des fonds que démocrate que républicain oui ça pas gagner absolument en rien on connaît Christine Ellis il fait tout le monde connaît son républicain et dans cette côté là son républicain nous plein avec républicain qui n'en rien nous respecter opinion pas qu'à dire nous plein mais nous gain en pile quelques graines qui républicain nous respecter point de vue yo nous respecter point tout le monde mais on bagaille qui nous clair de lit depuis son bagaille sous Haïti lié nous pas na fait démocrate avec républicain c'est sous Haïti et nous connaît que administration ça yo te promet nous ça yo te dit nous yo pas fait li et nous même et ça fait ça nous choisi pour nous montrer yo que n'a fait ça nous ka fait et n'a fait ensemble c'est ça est-ce que on a groupe monde qui d'accord faut que en 2022 communauté haïtienne d'abord démocrate là yo yon boalon kembe pour midterm non. Well, je pense que nous supposons montrer que nous fâchés. Nous fâchés, je ne parle pas de rite là. Moi-même, je ne parle pas comme chairman ni un. Je ne parle pas comme vice-magistrat à Ville North Miami. Je ne parle pas comme Alex de Zulmé. Je ne pense pas que nous parlons
qui l'autre partie a pu bien passer yo m'ral di moun même penser que gon bagay qui pou fait ba konnen si c'est un bras long pour kembe qui jan de bras long lié qui sa bras long là ka signifie nous wè que ça t'est passé dans West Virginia ensemble avec Ethiopien yo gen plusieurs modèles so m'pa konnen spécifiquement et te gen trois discussions que t'es parlé nan ni en écosystème m'm di dans l'autre débat m'pa gen chance pour m'te réellement ouais bagay yo mais quand même pense que gon bagay pour nous faire m'pa dire exactement qui ça lié même m'pa pral di moun pour al nous pral voter républicain un bagay comme ça peut-être m'pa pense que au pi bien passer l'autre yo. Merci Alexandre Desunmé pour très belle activité ça. Moi après mon entrée sorti avec un sourire sous les yeux. Alors gon bay mon série te gon danser dans te gon musique de côté danser am qui était comme plat de résistance. Non pas monter ça. Donc nous quitter ça pour dernier comme et cerise qui sous gâteau hein, pour nous faire merci de votre année. Merci encore félicitations pour belle activité ça Alexandre Desunmé. Merci un peu. Voilà. Au son de l'édition spéciale de Allen TV, donc notre témoin privilégié de ce qui est passé dans Chandler, en Arizona, dans l'occasion du leadership, pardon, et on dit que retraite que nous avons organisé pour capable, bien sûr, ressouder le rapport aux relations qui gagnent entre élus haïtiens et américains. On va tourner après la pause. Voilà, bon retour, nous sommes à l'interview d'hier, nous avons continué à parler de ce qui s'est passé dans Chandler, en Arizona. À la charité, bien entendu, commence par soi-même. Nous parlons avec le politicien Panoyo qui est ici dans le county. Dans la prochaine édition, nous parlons avec le politicien élu haïtien qui sortit de l'autre côté, particulièrement dans New York. Nous avons parlé avec un membre de Nyon, c'est ancien magistrat de ville, notre ami, Maître André Pierre. Eh bien, il y a Nyon qui regroupait tout un élu haïtien américain, ça qui est en fonction et ça qui n'est pas en fonction encore, pour une retraite annuelle. Et là, nous avons avec nous un stratégiste, un ancien maire de ville de notre Miami, c'est Maître André Pierre. Justement, son importance quand on sait que l'élu haïtien américain fait et puis tout dégager, ça a été utile comme retomber positif sur ce qu'a fait dans le pays d'Haïti, sur ce qu'a passé dans la communauté. Et bonsoir et Patrick, et bonsoir à tout le monde qui a regardé l'émission. Moi, je vous encore merci. C'est Haïti qui produit nous toutes là. Okay? Presque, je suis conscient que 99% de l'élu qui l'a eu, tout c'est Haïti qui a fait. OK, so même ça pas fait d'Haïti yo, but parents yo, c'est comme si première génération yo américain qui aux États-Unis cap lead. So ça l'Académie à l'œuvre qui se parle là. L'Académie à l'œuvre qui se parle là avec des trois autres monde. So l'op garder pour voir que ça c'est Haïti qui produit ça. So si Haïti produit ça, nous cabo ici, n'a fait travail ça, n'a fait belle figure ça, ouais qui respect que nous montrer, ça veut dire qu'on que Haïti en même temps tout gain droit prendre ça que le wall position de un cadeau ça que un leader doit jouer même ça qu'on dit on père de famille you know c'est au mettre car là c'est au qui même qui pour prendre ça que le leadership car là pour lead ou pas car tout le temps pour nous prétendre, pour nous dire qu'on s'accueille, nous prétendons au monde sur dehors, ou bien l'autre monde qui a fait ça pour nous, ou bien l'autre monde qui fait qu'il n'a pas arrivé. Gombagay Kirelo, accepter responsabilité. Accepter responsabilité, je crois que c'est le premier élément qui gagne pour arriver à nos points, pour qu'on dise qu'on s'accueille, on prend l'avancée. Parce que de pouvoir accepter responsabilité, pour dire qu'on s'accueille, you know what, ce n'est pas le monde qui fait. Fait ça m'a fait. C'est pas moi qui cause moi pas venir au succès. Moi accepter responsabilité, c'est moi qui fait pas venir au succès. Ce qu'on y a que moi pral faire bagaille on les gens de quoi que pour m'arriver pour m'ajouter un succès ça qui me besoin. So l'op garder pour voir que pour moi même Haïti si Haïti a gardé pour ça qu'a fait là, si Haïti a gardé Eli aux États-Unis, Haïti doit sentir une grosse fierté. You know qu'a fait là société moi Haïti avec toute leadership qui gagne là en Haïti on va dire comme ça que you know what mais que mado que moi produit kounya c'est monde ça on va essayer
intégré de quoi que pour me faire travail que moi qui a fait l'argent qui a pas avancé communauté yo gens qui a pas avancé ville yo gens qui a pas avancé état yo gens qui a pas avancé aux États-Unis. C'est bien que vous mentionnez Haïti, comment Haïti est capable inspiré de sa diaspora a fait, mais nous remarquons que Haïti n'est pas vraiment utilisé diaspora agent pour l'état utilisé. Haïti contenté de recevoir l'argent de diaspora, la diaspora fait solidarité, mais on pas senti vraiment qu'il y a une politique pour intégrer diaspora dans le développement en pays ou même servir avec diaspora comme en sorte de vitrine qui est ouverte, qui a un contact à l'extérieur pour permettre de faire ouverture pour Haïti. Mais nous garder la perspective qui dégage là dans la retraite ça, c'est unité. C'est unité ensemble pour nous avancer. Est-ce que vous pensez que les Haïtiens américains ont une forme d'unité et que vous-même vous avez parlé d'un seul message, non seulement par l'administration qui est sous pouvoir, pour t'amender, pour avoir un meilleur regard par rapport à la police qui est sur Haïti? Ok. Premièrement, il y a même j'en dis à Haïti qui produit nos bois ici. Haïti ça s'élève tout, même pour même j'ai qu'à produire nos bois ici à l'égard de produire Haïti pour arriver côté pour arriver à. But question qui important puis là que unité que n'a parlé sur lui là dans retreat là ou bien tout côté nous arriver à, c'est pas une unité qui n'a parlé sur lui, son unité en action. C'est pas dire n'a dit comme ça que n'a fait unité. Nous actionner unité. L'obgade pour que pour nous tous qui élus aux États-Unis, pour nous chita de plusieurs des réunions, plusieurs des retreats qui font, que pour nous venir avec ça, avec un agenda, le Trump Papers, que nous dit qu'on s'accue gouvernement aux États-Unis, mais ça que nous voulons pour peuple noir, mais ça nous voulons pour communauté noire, mais ça nous t'aimons ouais pour Haïti les finis qui gens que nous ca implément, que nous ca et implement, ok, et agenda ça pour communauté nous pour Haïti. Le fini, c'est l'aide que nous présentons agenda ça by gouvernement ou bien by différents de leadership group qui gagnent même dans le Congrès. So qu'on y a que de temps en temps nous faire réunion à demander aux qui gens qui has agenda, qui gens qui n'a pas avancé pour plus devant. So c'est une unité que nous voyons que qui en action et me pense que même bagala ka fait même Haïti ka produit nos bois ici Haïti ka fait même unité ça tout. Madame Mariska André Pierre qui c'est un membre National Asian American Elected Officials Netro qui t'a participé justement dans retraite ça. Après la pause nous pourrons gain avec nous et congressman Sheila Cher Félix et puis tout commissionnaire Jean Monestime qui lui-même dans ma médicale aussi est avec nous pour une édition spéciale consacrée à sa santé vive dans Arizona. Voilà, bon retour. On focus sur leader nous, sur dirigeant nous. On a parlé avec Madame Sheila Cher-Félix McCormick, fraîchement élue dans l'édifice 20 dans l'État de la Floride. Donc, c'est la seule voix qui représente Haïti dans le Congrès. L'été qui est notre speaker dans la retraite néonna en marge de gala pour fermer le travail. On a parlé avec lui. Nous voyons un peu de monde bel smile sur la figure et c'est car même tout congressman chez la McCormick. Vous satisfaites de travail pendant deux jours ça que Néon fait? Oui, Néon fait un bel travail aujourd'hui. Il faut tout le monde ensemble pour nous parler de comment nous aider Haïti avec aider tout Haïtien, communauté haïtienne, États-Unis. C'est un bel programme nous faisons aujourd'hui. Nous parlons de mettre ensemble pour avancer, c'est ça que vous dites? Well, nous tous représentons différents côtés ou partis dans les United States. So nous connaissons qui ça Haïtien a souffert, la tous les États-Unis. So c'est important for us to come together and amplify our voices. So this gave us the opportunity pour nous venir ensemble, pour nous parler de ce qu'on a souffert, avec ce nous faire active steps, pour nous changer ça nous a passé. Il y a un peu de monde qui a espoir dans nous même chez la McCormick, comme monde qui a peine élu dans le Congrès. Et qui est top priorité? Immigration.
parce que nous avons trop de monde, trop haïtien, ça nous a toujours sa brise TPS, trop haïtien sa brise citizenship, mais ça nous a passé la border, nous toujours un peu haïtien sa vini, and they're being the part of the due process. So ça c'est un gros problème nous avons rangé qu'on y a. Avec Covini, nous avons le parity, which is the economy. Nous avons pu nous abtraver un peu, il n'y a pas même fait cote-cob, puis il n'y a pas payé carrière, puis il n'y a pas payé billio. Nous avons qu'on y a d'ailleurs coûté plus, so nous avons plus cope pour communauté. Avec les small businesses, nous avons aidé eux tout. So ça c'est deux priorités que nous avons qu'on y a. Par rapport à Haïti, il y a des gens qui pensent que voir avec l'autre supporter va permettre que en Washington ait un meilleur regard sur Haïti parce que la politique qui envers Haïti nous n'a pas de résultat et dans qui est à pays nous. Oui, c'est un bagage ça sérieux pour nous, especially for me. Nous voulons aider Haïti pour qu'il come to stabilization. Nous avons plus de bagages passés à Haïti avec tout Haïtien américain là, avec Haïtien l'autre bord. Nous ne pouvons pas dire nos vérités qui s'est passé pour que ça nous arrive là. Et à ça. So, ça, c'est très important. Nous commençons à parler avec tout le monde à Congrès de ça nous a fait pour nous aider Haïti, même si nous avons fait un fight-finding mission. Avec nous, nous avons parlé avec le président pour nous parler avec le président pour nous dire j'ai un traité haïtien, ce n'est pas même j'ai un traité de l'autre monde. Pour que ça nous a traité l'autre monde, puis bien passé, nous. Qui ça nous aider aux États-Unis, nous là pour les États-Unis, nous travaillons dur. So, nous avons respecté tout le monde. Par rapport à la responsabilité, pas son seul voix dans le Congrès, c'est certain qu'on pourra travailler avec la caucus là, avec l'autre groupe qui supportait l'agenda, communauté haïtienne. C'est bon, bah, il va le facile. Oui, j'ai déjà commencé à parler avec toute la caucus là, avec le caucus, de ça nous a fait pour nous aider à Haïti. Il y a un bagage, comme tu as gagné l'élection, tout le monde aux États-Unis en Congrès, ça y est, c'est haïtien à voter. Il y a haïtien à garder, avec il y a haïtien à content. So tout le monde vient côté puis demande ça nous ca fait ensemble. Si nous mettons main nous main ensemble, qui ça nous ca fait? Sommes toujours dit haïtien, c'est là nous. Moun y attendez nous connia. So connia attendez nous, qui ça yo veut nous faire? Qui ça ou veut me dire nous besoin? Parce que m'la pour communautaire. Avec so ça c'est là nous pour nous ca take control avec ça passé Haïti avec là. Congressman McCormick, il y a un peu de monde qui dit que Joe Biden y a une somme de punition pour 2022. Bon, pas voir de conséquences, parti démocrate là. C'est des gens qui sont frustrés par Jean, administration ça, les traités questions Haïti, que ce soit dans la frontière, que ce soit Jean Bagayou passé en Haïti. Ils sont d'avis que faut qu'on note à parti démocrate là, ils ont un long kembe par rapport à la police ça. Bon, ça nous faisait faire, nous faisait parler avec président. Nous pas te gagner un monde vraiment en Congrès, ça te ka parler avec président. Quand on n'a pas chita avec président, dis-lui qui ça n'a passé, qui misère n'a passé. Puis qu'à comprendre tout ça nous fait là, pour qui ça va traiter nous comme ça. So avant nous dit nous pas voter pour président encore, nous besoin change pour nous chita avec lui, pour nous parler avec lui. Avec si pas tant de nous voir ça, nous pas voter. Allez, fois ça nous pourrions parler avec Jean Monestime, c'est comme Monsieur Namamide de Kamsi, lui-même tout, nous avons abordé des questions qui sont liées à la question politique américaine vis-à-vis d'Haïti. Et bien sûr, comment mouvement Tête Ensemble et l'US américain sont capables de porter des résultats. Voilà, avant que nous finissions, nous parlons avec le commissionnaire Jean Monestime, qui est honoré d'ailleurs là par Neon. C'est un grand moment pour vous. Et son moment spécial et c'est avec un pile plaisir et puis avec un pile humilité que m'accepter honneur à soi. C'est une surprise. C'est pour c'est soit seulement que m'entendez et que vous parlez de ça et m'dépenser son bagage que a fait Dakadi à l'improviste et pourtant que m'apprendre de bureau maintenant que son bagage a discuté depuis des semaines même des mois. Donc quel honneur. Yeah. Now, Neon fait une belle retraite qui sorti en succès et l'idée c'est que il veut rassembler toutes les ressources pour avancer de l'avant. Comment on voit ça? Donc Neon fait un exploit exceptionnel en 2 ans qui passait là sous leadership et Alex Zulmé. On dit ça dans Island TV déjà. Que c'est une meilleure expérience leadership haïtien hein, au point de vue collectif. So, avec 147 membres officiels et puis avec et représentants dans le Congrès au niveau État, au niveau régional, county, au niveau ville, au niveau village et
nous avons une pile capacité pour le ébranler ou bien pour mettre en branle toutes ressources que l'on a pour permettre que la communauté haïtienne fasse des pas géantes. Alors pour le nom, c'est que c'est arrivé à mettre toutes ressources ensemble. Influencer ce qu'a fait Alexis notamment Washington avec dans les pardon d'état par rapport à la réalité pays d'Haïti. Bon, c'est pour reconnaître que Washington est compliqué. Washington a une difficulté à résoudre même propre problème pâle. Donc de ce fait, nous n'avons pas désiré pour aller avec des pas de géant. C'est pour aller tipa et puis. Et pendant Washington a perdu du temps, nous-mêmes avons consolidé force nous. Et petit, les oiseaux font niche. Et petit par petit, tout le monde a privé côté le bras. Donc c'est nous-mêmes qui responsabilité pour consolider, alors que Washington a toujours été compliqué. Alors, Washington est compliqué, c'est vrai, mais Washington a un poil dans la réalité politique du pays d'Haïti. Washington a une influence. Donc c'est comment un petit peu contrebalancer cette donne. Simple. Côté nous aujourd'hui en 2022, nous partons là en 2012. Nous définitivement partons là en 2002. Et avec qui cœur content que m'a réalisé que qu'on y a président Biden prend le temps pour écrire Nyon. Des membres dans le Congrès ou bien dans le Sénat prend le temps pour écrire Nyon. Nous par côté nous était avant. Donc c'est sûr que me voulait arriver plus vite. Mais cependant nous-mêmes qui c'est leader, qui c'est bâtisseur, si nous pensons que nous avons construit pour nous qu'à jouer, nous n'avons pas jamais de bâtiment. Mais en nous construit, peut-être, réalisation, construction, ça va faite avec l'autre génération leader qui a venu là. Gardons un groupe de jeunes leaders qui sautent bon moins à Wad Sala. Mais honnêtement, 10 ans de cela, je ne pas espérer que c'est eux qui t'a honoré, je ne pas même penser que je suis là. Donc, on continue de travailler. Et simplement, ça n'y a pour nous faire, c'est pas mettre les amateurs, c'est continuer le travail, rester consistant. C'est pas, c'est, toujours dit, c'est pour une question de unité que nous avons cherché, c'est collaboration que nous avons cherché. Alors, il y a des gens qui pensent que par rapport à l'attitude de l'administration démocrate, là, l'administration Biden, par rapport à la crise du pays d'Haïti, il faut qu'il y ait un ballon kembe pour mettre une élection. Et des leaders haïtiens en Haïti, il y a longtemps depuis a dit ça que solution problème haïtien sorti d'abord dans de leaders haïtiens. C'est ça qui est plus important. Washington a toujours aidé. Nous, étant que Américains, a toujours forcé Washington aider. Mais cependant, solution sorti d'abord de leaders haïtiens. Donc, on a bail défiant, on a lancé défiant à leaders haïtiens pour prendre direction pays en main, même Jean-Patrick ou prend direction famille en main, on prend direction famille en main, l'autre prend direction famille en main, donc faut nous prendre direction pays nous en main. Il y a des voisins qui aident, il y a des professeurs qui aident, il y a des amis qui aident à famille, mais c'est moins d'abord. Donc faut nous prendre leadership pays nous et puis voisins yo, voisins en Caraïbes, voisins en Amérique du Nord, voisins en monde là, amis dans tout côté à aider nous. Voilà, nous avons parlé avec Jean Molestime, mais justement, nous sommes avec notre studio, Dr. Alain Brezo, qui est prêt pour présenter nous à ANB, c'est la vie, c'est moi qui entre chaque jeudi en dedans à l'ANB. On a proposé, nous avons tout pour nous parler de santé. Voilà, bonjour, vous êtes toujours sur Alain TV en direct, c'est Paris Santé, non, ANBC La Vie qui est entré chaque jeudi dans le Sahara. Et à ce moment, nous sommes avec nous, docteur Alain Brezo, pour nous parler d'un fantasme sur le COVID. Bon, moi, je dis qu'au niveau du Health Department, vous dit que vous parlez de American Half Month. Bon, monde qui a un ticket ou qui est bon, qui probablement pour le mois de février, après le fête Saint-Valentin. Qui rapport qui t'a gagné au monde qui a un problème au niveau curly, dans la pandémie, qui fragilise tout, mais qui rapport, qui est capable de faire mon ça en petit gens et plus fragile au monde qui a un problème que docteur Brezo. Bon, et bonsoir Patrick, et je salue tous les téléspectateurs. Je m'a dit son belle question, donc surtout dans le mois de février, ça, qui c'est National Heart Month. Donc, je dis que le problème qui est là, il y a deux volets. Premièrement, il y a un impact direct que COVID a sur la maladie cardiaque, côté que
en pile monde qui gagne et en condition sous-jacente et côté que y a un artère qui déjà bouché, yo remarqué que Covid nous a précipité qu'on y a en crise aiguë côté que monde n'est capable faire ça reler comme si que en crise cardiaque. Donc c'est premier bail qui gagne côté Covid vraiment vrai capable précipiter processus ça qui était dormant. Mais l'autre bagage qui vient encore tout surtout avec Omicron qui est extrêmement contagieux, nous remarqué que le système santé vient déborder, que c'est médecins, que c'est cabane l'hôpital, que c'est infirmières, que c'est respiratoire thérapeute. Donc ou pas joindre yo même gens te kon joindre yo avant et ça crée yo kounien yo fatigué, yo vraiment fatigué, yo gen 2 ans que y a goumé. Donc kounien on moun à l'hôpital, ça gen arrivé que attention que ou ta supposé joindre nan conseiller de l'hôpital m'a dit tout côté ou capable joindre un peu moins. Donc vraiment vrai Omicron en particulier, Covid Omicron en particulier avec tout nombre de cas ça yo, tout monde qui positif ça yo. Donc ça que le crée vraiment vrai, li crée une sorte de ça y aurait les stretching en sorte de li vraiment vrai détirer système santé hein, au maximum côté que réponse que pour ta supposé joindre nan ou pas joindre ni si qu'on y a là ou bon procédure pour faire côté que ou ta faire nan 2 semaines la obligé prend 4 semaines qu'on y a ou ka l'hôpital qu'on y a là ou besoin cabane ou obligé tande parce que y a pile monde qui gen Covid qui sous cabane nan. Donc moun sa yo c'est pas seulement maladie cardiaque, c'est l'autre maladie tout monde qui gen problème sucre, monde qui gen problème pulmonaire. Donc on y est obligé, on y est. L'île en vient plus longue à cause de toute cas Covid ça regarde. Donc encore une fois deux volets, impact direct qui gagne sous les problèmes cardiaques, mais tout avec comme si que délai qui pourrait le gagner dans soins santé qu'on a supposé recevoir. Il a parlé docteur Ambrezo de Covid test at home. Dis-nous plus sur ça. Donc et son bail qui très important, test ça, test que fait at home, c'est test antigène, ça est les tests moléculaires, yo bail résultat dans 15 minutes ou bien moins qu'on capable joindre résultat yo. C'est très facile. Et ça les rapide test là. Ça est les rapide test là. Donc ou pas obligé qu'on y a là, joindre et on monde faire pour vous capable faire ou même ou pas obligé joindre et on personnel de santé pour faire pour vous, son bail que n'importe qui monde capable faire pour ou bien on capable faire pour tête, il pas douloureux. Son applicateur qu'on passe dans nez ou et puis qu'on y a là, on mettez li ou on sorte de réactif et puis le bon résultat rapidement. Mais cependant, yo remarqué que tout pareil même valeur gain qui plus bon que l'autre parce que surtout Omicron, nous connaît que lui même li gain différence avec et Delta. Avec une souche originale de virus là, donc et des tests que vous manquez qui plus capté au micro, ou un test que les Binax et Now et BINAX et NAX Now NOW, gain on crée les tout Quick View, c'était ça que FDA pensait que vraiment qui non seulement capable et capté et souche originale là, mais tout qui gon sorte de avantage pour lui vraiment vrai. Et en capté et souche au micro. Donc, il est très important, le nap choisi test, pas choisi n'importe qui test, plutôt nous prenons test ça. Mais nous continuons à faire progrès, nous continuons à travailler, sans c'est de l'autre test qu'on y a, qui pourrait encore plus spécifique toujours. C'est une surprise que au micro, on te baille, l'autre est venu, nous avons remarqué que le vaccin est marché un petit peu moins, test est marché un petit peu moins, et puis mon anticorps monoclonal, il n'y a pas de marché du tout. Donc, vraiment vrai, c'est ça qui fait que nous avons un petit gens paniqués à cause de tout changement ça a été fait. Mais Binax Now là, il vend à peu près $20 sur page mais tout qu'on y a là, il y a un programme côté que on est capable de faire réquisition 8 tests par mois, il y a beaucoup de la caillou, assurance supposé payer pour lui, son programme gouvernement et Medicare qu'on y a pour monde qui est âgé, il va rentrer dans ça tout côté que va permettre monde jouer un test la caillou. Lorsqu'un test la caillou a son avantage que lié, lorsqu'un symptôme qu'on y a, on pas obligé à et courir l'hôpital ou bien courir ca docteur ou capable faire test rapide et pour qu'on ca commencer faire ça reler comme si que quarantaine là. Donc si qu'on a fait test ou positif ou fait quarantaine là, non seulement li bon pour vous ou qu'on est rapidement ça qu'on gagne, mais tout le monde qui beaucoup autour tout ou essayer protéger. Donc c'est très très bonne idée que lié lorsque qu'on est là nous pral gain test ça yo la caille nous côté que toute famille gain test yo le bon monde commencer faire ti tousser monde n'a pas senti bien monde capable faire test là. Mais nous dit là et nous dit ça plusieurs fois ici à docteur Brezo, docteur Innocent dit tout que rapide test là n'est pas accurate. Bon, rapide test là n'est pas même genre avec test PCR là. Donc et test PCR là c'est lui même qui plus fiable, mais rapide test là lui-même s'il positif ou positif. Il pas bail tellement comme si que maladie faux positif, mais cependant il doit gagner quelques monde qui positif et test là lui-même il paraît négatif. C'est surtout à cause de Omicron qui fait ça. Donc ça fait nous bail test ça yo même yo plus fiable ou plus joigne et moins erreur avec Binax là que l'autre test yo. L'autre bail que me capable dire encore tout symptôme yo content pile. Soit monde n'a la fièvre sous lui, monde n'a toussé même lorsque tu as fait test
rapide pour lui, rapide test, là, test antigène, ou elle négatif, elle font test PCR. Donc, parité sous test ça seulement pour dire que je fais test négatif, qu'on est que si ou un monde n'a pas senti le bien vraiment vrai, qu'on est que le monde n'a pas positif, et puis test marqué que le négatif. Donc, rapidement, elle fait test PCR, là, font l'autre mouvement et les docteurs à l'hôpital. Moi, j'ai un rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui pensait que Omicron est capable de bailler de l'autre sous variant et il parlait de AB, on va comme ça. Est-ce que la communauté scientifique là préoccupée par mutation ça? Oui, bon, et mutation ça yo, bon, pour me dire bien gagne on que les BA2, c'est Omicron mais il est plus contagieux toujours lui même que premier Omicron, il est 1.5 fois plus contagieux que Omicron. Donc il y a 40 modifications comme si que antigénique, comme si que et au niveau de nouvelles souches. Mais cependant, il n'est pas affecté vraiment vrai, ça que les spike protein. Il y a vraiment quelques mutations ça yo pas affecté et côté que vaccin lui-même il agit. Donc son bonne nouvelle que lié, il est plus contagieux c'est vrai, mais il n'est pas plus et comme si que dangereux dans le sens que et souche originale. Donc comme si n'a pas suivi. Donc et depuis nous remarquons comme si que gain changement, comme si que au niveau de efficacité vaccin, au niveau de efficacité anticorps monoclonal, c'est le et le ça qu'on y nous désigne comme ça il est on variant of concern. Donc il y a des termes ça que vous utilisez lorsque vous remarquez que outils que nous gagnons, zame que nous gagnons pour nous gommer avec virus qui la connaît, si nous remarquons que yo pas applicable vraiment vrai avec nouvelle variante qui vient yo le ça connaît Organisation mondiale de la santé CDC alerté pour ajuster ça que pour ajuster vaccin pour ajuster par exemple la anticorps monoclonal yo tout traitement antiviral que nous gagnons. Donc on capable faire bon dans monde comprendre un bagaille médecine c'est ça il est une science expérimentale, il est difficile pour prévoir un bagaille qui pourra arriver puis devant. Si le baran apparaît devant nous, nous là pour nous faire une série de modifications. Donc, je connais que en pile monde a préféré que yo di yo mais ça libre bon pour tel bar qui va arriver en mois de juin, c'est pas comme ça médecine marche vraiment vrai. Donc, yo revoyant dans vini et puis kounia yo fait ajustement. Mais connais bien que pendant que on a parlé là kounia, yo quand t'a parlé pour un vaccin pour Omicron seulement. Il y a parlé tout pour antiviral qui capable combattre Omicron, il y a parlé tout pour anticorps monoclonal qui capable combattre Omicron. Donc, son sorte de son travail qui toujours a fait, donc ça relé en anglais work in progress, comme c'est côté que nous toujours a modifier thérapeutique, nous toujours a modifier vaccin, n'a modifier comportement tout dépendant de ça qui paraît devant nous. Donc mais pas décourager, qu'on est que mon travail c'est pas seulement scientifique ici États-Unis, c'est partout à travers le monde. Mais j'ai comme t'ai dit déjà Patrick, n'a tout ça déjà ni plus que 25 ans m'a pratiqué médecine. M'a jamais moi côté par exemple la scientifique met tête yo ensemble comme ça. M'a jamais moi une réponse aussi rapide pour aucune autre maladie depuis comme c'est que m'a pratiqué médecine. C'est ça. Au niveau de NB, comment bagaille disposition, pas gain gros changement. Donc et changement qui gagne bon et m'a demandé monde comprendre bien comme c'est que ANB toujours et participer dans ça les wellness ça les bien-être pas seulement santé nous fait prévention nous montrer monde j'ai pour manger nous montrer monde j'ai pour faire exercice tout bagage ça yo nous te mettre yo sous pause à cause de Covid. Nous allons recommencer avec vous. Nous commencer connir là, recommencer avec programme nutrition côté n'a prendre monde qui gagne diabète par exemple, maladie cardiovasculaire. Côté que n'a montrer monde yo gens pour manger et puis tout nous fait et une sorte de alliance tout avec conseil de partenaire côté monde n'a capable aller même avec provision la caili avec légumes la caili pour nous montrer monde gens pour manger et puis là avec yo, là fait expérience là voir comment le sentir. Mais très bientôt, on capable dire dans les semaines qui viennent là connir, nous allons recommencer avec activité physique là. N'a faire de façon réduite. Nous pas essayer faire une grande quantité de monde en même temps mais nous voulons commencer avec programme ça parce que malade nous vacciner nous même la NB nous font campagne de vaccination malade répondre on capable dire que monde qui vient dans ANB yo senior nous yo ça nous relé comme si que personne âgée petit grand monde nous yo yo vacciner personnel ANB que c'est médecin yo que c'est medical assistant infirmière tout monde ça yo vacciner yo même. Donc on t'aimé que monde comprenne ça vaccin c'est clé surtout monde qui vacciner prend booster. Je vais finir de chiffre ça, parce que c'est très très important. Les gens qui parlent, qui disent, ouais, je pense que les gens prennent vaccin, ils mourent. Je veux que les gens comprennent que les gens qui prennent vaccin, ils ont 15 fois moins de chances pour attraper le COVID qu'un monde qui pas vacciné. Et pour l'un mort, c'est 97 fois moins de chances pour mourir de COVID
qu'un monde qui pas vacciné. Donc non seulement vaccin important mais qui plus important c'est booster. Donc monde qui prend deux doses vaccin déjà, elle prend booster nous. Et puis prend booster nous pas de problème, nous tranquille. Qu'on est bien que même lorsque nous apprenons COVID, son forme légère que lié. Donc encore une fois, vaccin booster. Nous gagnons seulement et ça qui passe nous connaît là, nous pas assez monde qui vacciné. Nous gagnons plus que 80 millions américains qui pour comprendre mon dose vaccin. Donc ça a vraiment oui, c'est ça qui a bon problème pour nous. C'est monde qui pas vacciné yo, virus continue à multiplier dans population ça, l'a fait mutation, l'a fait variante et variante ça pour nous là, yo commencer à pas affecter monde qui vacciné. Donc si monde qui vacciné yo prend vaccin, si monde qui connait là, si monde qui vacciné prend booster, si monde qui pour vacciné, vraiment vraiment capable de dire que c'est comme ça n'a sorti dans maladie ça. Voilà. Merci docteur Alan Brizo dans segment ANB c'est la vie. Segment qui entre chaque jeudi dans le SA en dedans à l'interview en d'hier. Bonsoir, à bientôt.